Les accords sont d'accord avec ces décors de requins. Faites cas à la zique. Té, yesu la même la moindre directeur. Té, un rôle, bah, té. Vé pour faire un mouvement, bah, choco. Non, t'as un mot, le long, moi, mouine. Tu fais ton mouvement chaud, mais 18h. 18h, chaud. Tu la souvent fait la bulle au moins pour là. Oui, faut 3 minutes. J'ai confiance. Fais-le là. C'est comme ça. Mec, la typette elle habite quelque part ici, non? Ici? Non, un peu devant là-bas. Il y a beaucoup de passer par ici. Tu es là-bas, moi 30 minutes, on va. Ah, il y a Barozel là, il y a la soupe, il y a Barozel. Ton hôtel, il y a 30 minutes. Oh mon tunaïo, il y a le bureau. C'est la bureau, voilà. Au moins. J'ai un imbécile là-bas à la maison chez moi. Il y a un imbécile. Mec, il s'appelle Kidin là. Ce gars, si tu le vois, il a une tête. Je sais pas, il est mystique, il est compliqué fort. Kidinda. D'ailleurs, c'est l'homme qui se ressemble à la voiture et tout fait, mec. On s'habille à un boubou là-bas. Un boubou dessiné, maman Marie à Marie. Oh. Oh, il vient d'où? Il vient de Londres. Oui, mais tout le monde est là. Je le supporte pas, il est bizarre mon redon. Et puis il vient à Tibisou dans les chambres. Canna mon nom. Il y a un village, il y a un village, il y a un village. Il y a un petit peu de temps. Tout ça va aller. Oh. Papa comme ça n'est maman. Non, maman, le côté papa n'a pas. Oh, maman. Bonne nuit, collé belle. Bonne nuit, maman. Ah. Ah. Bonne nuit, d'autres. La maman, la maman. Eh. Ah. $2,000, maman. Eh. Ah. Tout le gars, tu mets $2,000, c'est belle, maman. Papa, demi de nous assurer les indignes. C'est comme ils ont les adresses à la carte. C'est papa Nangaï. Descends au lien Nangaï, men. Garantie à dire, y a $100 par mois, $2,000. L'état n'est pas le roi la terre. Papa, commissionnaire, moi, ma ramène au Nigaté. L'état de Nani, l'état de la Torah, il n'a pas l'état. Y a peut-être qu'il n'a pas combien. On a la Torah, il n'a pas. Regarde-moi ce commissionnaire. Hein? Lorsque moi je construis ma maison, l'État était là. Il me parle de l'État. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec l'État? Ah, Kinshasa Ngoya Ngoya Te, Juste Touba, Freddy Mokolo. Ngana yoka kina sango, kinye tonda sentima. Angona komina kinyango, ngayi na miyoke lima wa. Papa Lofi King Cole. Nana yoka kina sango kini mpoto mo indoe. Nanguna yoka kina radoe manguna sombiti keo. Nanguna komina kinyango mingi bitambo na pipa susi. Plantation va ferme to tike li bananyo. Hey, hey, hey. Nami yoke li mawa. Nino matadi. Nami yoke li mawa.
Alaba, Willy Kamenga. Et pourtant, Bissol, un village, et par qui chasse puis mourir. Aux Alamois, si mon bali, donne moi un rendez-vous na Kini. Quand on a continué à m'attendre, Oyo, contre moi. Allô? Allô? Allô, Marie-Louise? C'est qui? Ah, c'est Kidinda, non? Kidinda! Comment là-bas? Comment va ta famille? Elle va bien. Les enfants vont bien. Ouais! Bon, j'allais t'annoncer, j'ai déjà un travail. Tu as trouvé le bureau? Ah! Je suis maintenant convoyé. Convoi? Convoyeur? Oui. Ah, tu sais, la vie a changé ici à Kinshasa. Regarde comment je suis habillé. Regarde. Bon, les chaussures, j'ai acheté avec l'argent du convoyeur. Regarde encore, regarde, attends. Là, c'est boot. Bon, bientôt là, je vais t'appeler. Tu vas venir. Kidinda! Maman Pouya! Mon mari est devenu convoyeur à Kinshasa! Mon mari! Maman Lili! Mon mari est devenu convoyeur à Kinshasa! Kidinda, dis-moi alors, convoyeur, c'est quoi les convoyeurs? Ah, convoyeur, c'est quoi à toi? Tu n'as pas étudié. Attends, moi, je vais t'expliquer, convoyeur. Attends. Tu prends les convois, tu les mets ailleurs. Tu prends les convois, tu les mets ailleurs. Cela veut dire convoyeur. Quand tu prends les convois, tu fais les convois, tu es convoyeur. C'est facile comme travail. Attends, je vais te rappeler après. J'ai des petits chômeurs avec moi ici. Je rentre maintenant à la maison. Kidinda, mon mari est devenu convoyeur. Kidinda, après tout, je suis ton frère. Je sais. Mais tu me traites de chômeur. Mais tu es chômeur. Oui. Elles sont. Entrez, c'est ouvert. Venant à mon poto. Ça va? Mon ami Kili. Mon poto, mon poto. Maman. Oh! Viens! Petit! Tu mets comment? Mon poto! Mon poto! On sort rien, ça va? Oui, ça va. Ok. Non, entre. Je crois que toi et moi, on ne réussira jamais à faire la paix. Moi, je suis maintenant convoyeur. Je suis une grande personne maintenant. Hein? Je suis un grand quelqu'un. Kidinda, convoyeur, c'est quoi? Tu vois l'argent des convoyeurs? Ça paye, hein? Tu vois tout ça? Et vice. Au moins, j'ai trouvé en train de parler au téléphone. Tu parles avec qui? Ah? J'ai dit, tu parlais avec qui au téléphone? Tu dis parlo. Et puis tu dis parler qui? Bref, tu parlais avec qui? Nous avons sur la nana ni là, c'est ma femme. Qui ça? La sauce pimentée de ma mère. Comment il s'appelle? L'origine de mes sentiments. Marie-Louise. Tante Marie-Louise. Celle qui nous a envoyé du colis l'autre fois. La maman de mes enfants. Ouais, ouais. Elle est là. Mon moins. Elle a vu, elle a vu, elle a dit non, c'était vu. Tu l'as montré comment t'es habillé. Très bien sapé. Ouais. Ça c'est original. Hein. Oh, moi j'aimais toujours original. Hein. Même au village, je mettais toujours des. Mais original. Apparemment, c'est comme si tu sortais, tu pars aussi. Je monte au boulot. Je t'ai dit que je suis convoyé. Maintenant, tu vas aller travailler des Lévis comme ça. Non, je mets ça. Là, c'est... quand il y a des sorties, ça c'est. Juste pour un petit tour. Mais essaie un peu de faire l'essai de ce que tu fais là-bas. Là-bas? Hein?
je veux savoir, c'est quoi en fait le convoyeur là que tu es en train de me parler? Les convoyeurs, c'est facile. Tu prends un convoi, tu fais un convoi. Tu le fais comment? Tu prends un convoi, tu fais un convoi. Hein? Kidinda. Non, tout n'a là-bas. On s'en ranini. Place en haut, l'ingo qui est mon sala. Montre-moi ce que tu fais, non? D'abord, on vient dans un bus. Il y a des gens. Il y a des petits à côté qui essaient de venir pour crier. Non, moi je n'aime pas ça. Moi je viens direct. Ben, comment on a la victoire? Victoire! Victoire! Et là maintenant, il y a la foule qui vient. C'est ça le travail d'un convoyeur. Il y a le premier convoi. Il y a le premier convoi. Quand on prend les convois maintenant, on passe. Tu dis attends, tu es mystique, mon frère. C'est ça les convois. Victoire! Victoire! Ça va, moi je pense qu'il faut qu'il ne faut les boulots t'attendent. Je peux même mettre ça, non? Non, ça tu dois le laisser. Tu l'as payé avec le... Je mets ça? Ouais, tu mets ça. Non. Ça c'est pour les sorties, non? Ça va, je vais le garder pour toi. Mais va les musiciens avec ça. Ça, ils ont chaussé Yambou là. Non, je vois les musiciens avec ça. Ça c'est pour les sorties. Tu me mets ça sous les lits. Et puis on va se voir. Oui, bien, le logo ben le couleur moins doué bien, le moins bien, moins doux, moins doux, on prend pas. Yé. Je vais m'asseoir. Non, déjà non, c'est pas si. C'est pas chaud. Oh, là, bah, yéma, à chaque fois. Moi, la poteau, 20 ans. Alors. Qu'est-ce que t'as besoin en coin de foutu? Et mon ami. Ah. Ok. Bon. Mon ami qui lit. Non, moi, c'est ma maman. Comme ça, on se voit. Tu sais. Moi n'a poto. Ok. Moi n'a poto. Sur petit. V. Bon. Deuxième mi-temps. Mais. Voilà. Moi n'a poto. Tout bien là. Moi n'a poto. Tiens. Ouais petit. V. C'est bon petit. Alors. Ça va? Alors. J'ai même pas fait une bise. Avec plaisir. Sans toi, les tous ces potes, mon frère. Je t'ai jamais bien dit, par tes chemins, il est marre que les gens font. Victoire! Mais montez ou pas? C'est qui dit là? Venez, venez, montez! Je suis devenu un receveur! Mais oui! Mais je suis plus comparé! Alors, c'est comment? Victoire! N'importe quoi! Bonjour, madame. Ouh! Annette, je dis, je ne veux plus te voir! Je ne veux plus te voir, Annette! C'est pas Annette! Bonjour, on me dit vraiment. Bon, de toutes les façons, je suis venu te voir. J'ai un problème. Que vaut le nom de...
tout cas, j'ai besoin de 10 dollars. J'ai besoin de 10 dollars. Ah. Mais c'est en vertu de quoi? C'est pas encore la fin du mois. Vous désirez un emprunt, que je vous prête quelque chose? Non. Mon cher ami, donne-moi une avance sur le loyer, non? J'ai un problème, je vais résoudre ça aujourd'hui. J'en ai vraiment besoin, mon cher. J'ai un problème à résoudre. Mais, oui, mais, maman Déborah, c'est brusque. Il faut attendre la fin du mois. Ça se fait pas. Ça se fait pas. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Une avance sur le loyer. C'est encore quoi cette histoire, maman Déborah? Avec vous, il y a toujours des histoires chaque jour. Hein? Après tout, tu ne sais pas que tu es un locataire. Hein? Mais, tu dis que j'en ai besoin, non? Dis pas ça, mais... Quand même, c'est pas comme ça que ça se fait. Je n'ai jamais vu ça, maman Déborah. Il n'y a qu'avec vous qu'on voit des choses pareilles. Oh. J'ai un problème avec vous. Personnellement. Attendez, attendez, attendez. Mais moi, j'ai pas d'argent. Tenez, restitue-moi le retour. Que je te restitue 10, hein? Ah papa, félicitations, j'avais aussi besoin d'un 20 dollars. Ah! Merci beaucoup. Mais maman Déborah, c'est tout ce que j'ai. Ah, oh! Vraiment. Maman Déborah. J'avais besoin de 20. Il m'a donné 20. Ah. On va la parole. Mais c'est quoi ça? Mais... Oh! Oh! Je n'ai même pas mangé.